trouver Wallace. Voilà, où que vous soyez, vous êtes promu majordome. Cap sur Calvin's Bridge. On dormira plus tard. Montez à bord quand vous serez prêt. Qu'en dites-vous, Corbeau ? Calvin's Bridge. Il paraît que vous passiez tout votre temps à Dunwall Tower avec l'impératrice. Alors c'est peut-être la première fois que vous venez au pont. Si je peux me permettre un conseil, vous voyez ces lumières sur l'eau? Ah ça, on serait repéré à coup sûr. Faudra trouver le moyen de les éteindre avant que je vous récupère. Au fait, à propos de ce fameux Sokolov, c'est un malin. Peut-être encore plus que Pierrot. Il a toute la ville à sa botte avec ses histoires de philosophie naturelle. Nouvelles technologies, potions, et j'en passe. À votre place, moi je me méfierais. C'est vous qui voyez, hein? Vous attendrez aux arches sous les logements de Sokolov dès que vous serez prêt. Enfin, si vous éteignez d'abord ces projecteurs. Alors c'est bien clair. Personne n'a le droit de se trimballer dehors pendant le couvre-feu. Sauf les gardes. Ouais, je suis au courant. Mais on fait quoi s'il y a quelqu'un? On dit quelque chose? On rappelle qu'il y a un couvre-feu? On dit rien, abruti. On le prend en chasse et on lui colle une foutue raclée. Voilà ce qu'on fait. Ouais, ok, j'ai pigé. Pas la peine de hurler. On le dérouille et c'est mort. Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Calvin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Calvin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Avec quel âge? Va embêter quelqu'un d'autre. Citoyens et visiteurs de notre ville,
Sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge. Pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Montrez-vous, ne m'obligez pas à vous trouver. Bon, j'abandonne, c'était rien. C'était bien. Il doit être là, quelque part. Je vais vous trouver, qui que vous soyez, et je vais vous montrer vos erreurs. Regardez partout. Il n'y a rien ici. Interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Corias.
Dis-le-moi si tu veux prendre mon tour de garde. Il me fera toujours rire. Hein ? Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. T'as vu quelqu'un avec des symptômes ? Lâche-moi. Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, la circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube.
citoyens et visiteurs de notre ville. Sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Cette peste et ce couvre-feu. Comment peut-on gagner sa vie dans ces conditions? Eh bien, monsieur Pratchett, même les gens fortunés comme vous ont besoin de la garde urbaine. Les voyous mettent la ville à sac. Et les géniards, pardon, les pestiférés sont pires. Pensez-vous vraiment que le régent ait tort d'imposer un couvre-feu? Épargnez-moi vos leçons de morale, officier. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai. Un homme avisé s'en sort toujours, épidémie ou non. Eh oui, comme ce Sokolov. Il n'a pas à se plaindre avec tous ses objets. Je ne suis pas chez lui à tout bout de champ. C'est ce qui vous tient à flot, pourvu que ça dure. Si par exotique vous entendez sordide, nous sommes d'accord. Le médecin royal s'en sortira aussi, à moins de contrarier la mauvaise personne. Où j'appelle la garde urbaine.
Nice. Va-t'en, Lune. Toi aussi, Soleil. Je ne suis pas votre... Le cours des rivières change au fil du temps, et tous les ponts finissent un jour par s'effondrer. Il y a 1000 ans de cela, existait une autre ville ici même. Les habitants façonnaient des runes avec des os de baleine pour y inscrire ma marque. Les enfants en trouvent encore enfouis dans la vase. Anton Sokolov a longuement étudié mes runes, mais il ne possède pas tes talents.
Seuls ceux qui sont choisis et qui portent ma marque peuvent accéder à leurs secrets. Sokolov pense qu'il existe des rituels pouvant me contraindre à apparaître devant lui. Il fouille dans de vieux temples pandiciens et dans les sous-sols en ruine du quartier inondé. Il pratique des rituels abjects au-dessous de la vieille abbaye. Mais s'il veut vraiment me rencontrer, qu'il commence donc par susciter mon intérêt. Il nous a fait toucher le chargeur avant d'aller au quartier prétorien. Parfait. On a déjà perdu assez d'hommes à cause des pylônes. Pense à toucher le chargeur quand l'agent passe avant ton tour de garde, pour que tu ne sois pas électrocuté. Ça me fiche.